Bonjour à tous, on est toujours à Beaune pour la 11e édition du Festival du film policier et je voudrais vous parler d'un film que j'ai découvert il y a quelques heures et qui m'a mis complètement KO. Qui s'appelle Factory, c'est réalisé par Yuri Bykov. Dans ce film, un ancien militaire qui est devenu ouvrier pour essayer de survivre se révolte le jour où il apprend qu'en fait son usine va être fermée de manière arbitraire par l'oligarque qui la possède. Alors, vous savez, c'est ce genre de film où, on va dire, quelqu'un qui galère et qui galère méchamment se retrouve confronté à celui qui incarne un petit peu, on va dire, le système. C'est un truc qu'on a vu plusieurs fois il y a quelques années, il y avait Money Monster d'ailleurs qui était un peu sur un sujet assez proche. Là où le film est incroyablement fort, c'est qu'il arrive déjà d'une à renouveler les clichés, les stéréotypes de ce genre-là. Ça se passe en Russie. Et c'est des Russes qui sont pas à moitié russes, donc on va dire que c'est une espèce de turbine de violence et de tension qui est incroyable. Et surtout, c'est un film, moi, qui m'a extrêmement impressionné par sa mise en scène. C'est-à-dire que non seulement le scénario est suffisamment malin pour, voilà, pour, je vous le disais, pour renouveler tous ces stéréotypes, mais surtout, mais visuellement, ça tue ta mère. C'est-à-dire qu'on passe de scènes quasiment expérimentales qui sont assez proches du théâtre filmé à tout d'un coup, mais des scènes d'action, mais surpuissantes. Il y a une fusillade au milieu du film. Moi, c'est un des trucs les plus intenses que j'ai vu ces dernières années. C'est incroyablement bien découpé, c'est très sec, c'est une violence qui te saisit et qui te prend à la gorge, et en plus de ça, qui te prend à la gorge d'autant mieux que les personnages sont absolument canons. Bref, Factory, c'est pour l'instant, c'est une des grosses et des très belles surprises de cette édition 2019 du Festival de Beaune.